J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui va être assez courte, hyper courte, mais j'étais obligée de partager ça avec vous parce que franchement, là avec en France, je pense que maintenant vous êtes obligés de porter le masque à Singapour depuis le début, en fait dès la phase 1 du déconfinement, le masque était obligatoire. Donc j'avais envie de partager avec vous cette astuce parce que, bah écoutez, c'est juste super pratique si vous portez le voile. Si vous portez le voile ou si vous portez des lunettes, franchement, c'est casse-tête quand même de devoir rajouter ça derrière l'oreille, machin, vous voyez, il faut faire rentrer, il faut tirer. C'est casse-tête, franchement, c'est casse-tête. Donc du coup, j'ai une petite solution. Donc je voulais vous montrer un petit truc super ingénieux. Maintenant, voilà, vous pouvez le commander, mais franchement, je pense que vous pouvez le faire tout simplement à la maison. Hein, si vous êtes un petit peu bricoleuse, vous allez avoir besoin de deux choses, deux petites choses. Hop, un élastique, ok, et tadam, des boutons, tout simplement. Mais l'astuce, elle est juste top. Donc en gros, comment ça se passe? Je vous montre le avant. Hein. Franchement, moi avant, c'est comme ça. C'était comme ça. Oh, je passe derrière. Oui, parce que en général, je mets mon foulard et ensuite je mets le masque. Voilà, ok. Donc du coup, le foulard, oui, voilà. Il faut le remettre après. De l'autre côté, voilà. Ok. Donc là, maintenant, avec... Ok. Donc là, maintenant, avec ça, je trouve quand même que c'est beaucoup plus pratique. Surtout que personnellement, en général, je sors souvent la journée, pour des petits trucs, pour aller à la boîte aux lettres. Oui, même à la boîte aux lettres, quand vous prenez l'ascenseur, où vous êtes obligé de le porter. Donc du coup, c'est vrai que ça me rend la vie super facile, ce petit truc, puisque en gros, vous mettez donc votre petit bouton, là, comme ça, hop. Et le masque, vous n'avez plus qu'à l'enfiler. Non, mais franchement, fallait y penser, hein ? Il fallait y penser, franchement. Hein. Mais ouais, sincèrement, c'est juste top. Après, vous pouvez mettre un super beau bouton. Ils sont hyper simples, mais vous pouvez customiser. Mettre, je sais pas moi, des boutons avec vos initiales ou ce que vous voulez. Mais donc, c'est super pratique, franchement. C'est juste super pratique à enlever et à remettre. C'est canon. Voilà. Il fallait absolument que je partage cette astuce avec vous. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit, ah non, mais franchement... Ça, c'est incroyable, la capacité, la créativité des marques suite à, bah voilà, à la situation actuelle. Donc, si vous portez le voile, c'est super pratique, mais je pense que même pour les personnes qui ne portent pas le voile, ben, je trouve que c'est beaucoup plus rapide, en tout cas, à utiliser. Voilà pour cette petite vidéo hyper rapide. Je vais vous laisser en barre d'informations le site internet où vous pouvez trouver ça. C'est une marque malaisienne, j'en suis sûre que vous pouvez en trouver... dans plein d'autres sites. Marque ici, Peachy Scarf, je vous en parle très souvent sur Instagram. Vous passez commande via Instagram, en fait. C'est une marque vraiment connue ici à Singapour et en Malaisie. D'ailleurs, j'ai ces sous-bonnets. À chaque fois, vous me demandez d'où viennent tes sous-bonnets. Ben, tous mes sous-bonnets, franchement, les filles, ils viennent de là-bas. Là, c'est une nouveauté. Ils viennent de faire ces sous-bonnets ici. Vous voyez, avec un cache-menton, en fait. Et le tissu est top. Et ce que j'aime bien, c'est que vous voyez, c'est juste hyper souple, hyper... voilà, et ils sont pas très chers. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo astuce vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.